J'en reviens à vous, Christophe, juste avant de boucler cette émission. Je n'avais pas donné votre programme pour les prochaines semaines. Il y aura notamment le Xterra Graveman, mi-juillet, fin juillet à Arèche-Beaufort. C'est une espèce de, on ne va pas dire d'Ironman, mais en gros, on monte un petit peu les distances. Voilà, c'est ça. C'est un peu un format, on va dire, comme on peut retrouver sur le XL de Gérard Armé sur route, mais en format VTT, où on va se retrouver avec 1900 mètres de natation, 60 km de VTT et 18 km de trail. Donc voilà, c'est. Je suis fatigué là. C'est... Des fois, c'est vrai que rien que de le dire, on est fatigué avant de commencer souvent. Mais c'est un format, enfin, c'est vraiment un format long. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie d'essayer, puisque sur route, je l'ai déjà fait sur le XL de Gérard Armé à 5 reprises. Et là, en VTT, ce serait vraiment la première fois où là, je me mettrais vraiment dans cette configuration là. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre. Quoi. Ouais. Vous serez bien sûr sur le Xterra France, dont on a vu quelques images derrière moi, début juillet, après en Pologne, en Allemagne au mois d'août, mi-septembre en Espagne, et puis il y a un petit défi personnel que vous êtes lancé aussi fin septembre. Oui, c'est ça, un petit défi personnel, parce que je me dis que le triathlon c'est bien, mais d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs, ça peut être sympa aussi, mais toujours en restant dans les disciplines qu'on maîtrise, entre guillemets. Et du coup, je me suis aligné sur l'Ultra Mirage, donc El Djerid en Tunisie. C'est un ultra trail de 100 km à pied. En une étape, voilà, je le précise bien, en une étape, départ très tôt le matin et puis arriver le plus tôt possible. Et du coup, on a des ravitaillements et c'est toute une organisation derrière. Et voilà, ce sera dans le désert de Tunisie, donc je pense qu'il y aura de la chaleur, il y aura pas mal de moments à vide ou pas. Et puis c'est un gros travail psychologique, je pense, au-delà de la performance sportive. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très dur. Voilà. Faites attention.